Dans quel paradigme êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans un paradigme où vous vous dites, de toutes les façons, c'est foutu pour moi, il n'y a pas de solution et personne ne peut rien faire pour moi? Si c'est le cas, je vous invite à porter une attention parce que cette vidéo va vous aider grandement. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule Process Déclic dans laquelle je vais vous partager des clés pour que vous puissiez shifter les situations dans lesquelles vous êtes en train de vivre actuellement. Posez-vous la question par rapport à ce que vous êtes en train de traverser actuellement, peut-être par rapport à votre passé aussi. Est-ce qu'il y a une pensée qui est là dans laquelle vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de solution pour vous, dans laquelle vous avez la croyance que vous êtes coincé, que personne ne peut rien pour vous? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que si vous êtes branché totalement sur cette croyance forte qui est vraie pour vous, alors il est évident qu'il n'y aura pas d'autre alternative que vous ayez la preuve dans la vie de tous les jours, à travers les accompagnements que vous allez faire, qu'il n'y a pas de solution pour vous et que personne ne peut rien pour vous. La question ici, ce n'est pas que personne ne peut rien pour vous. La question ici n'est pas qu'il n'y a pas de solution pour vous parce que c'est complètement faux. La raison pour laquelle il n'y a pas de solution, c'est parce que vous êtes bel et bien branché sur cette croyance qui est ancrée en vous, que vous considérez comme vraie. Ce qui veut dire, mes amis, que ce que vous pensez comme vrai et profondément évident pour vous va déterminer le paradigme dans lequel vous êtes, c'est-à-dire la réalité de vie dans laquelle vous êtes. Et c'est ce que vous allez vivre. Vous allez avoir la preuve dans la matière. Donc ça veut dire que, quelles que soient les personnes que vous allez engager, les thérapeutes les plus performants, les coachs réputés les plus performants, aussi talentueux soient ces personnes-là, si vous êtes sur le paradigme que, si vous êtes vraiment dans cette croyance et dans ce paradigme, c'est-à-dire cette réalité de vie que c'est foutu pour vous, par rapport à la situation que vous allez vivre, il n'y a pas de solution, eh bien, finalement, c'est ce que vous allez vivre. C'est ce que vous allez vivre. La destination, c'est qu'au final, vous allez vous asseoir et vous allez dire, eh bien, voyez, j'ai eu la preuve qu'effectivement, il n'y a pas de solution pour moi. C'est foutu pour moi. Donc, en fait, ce n'est pas foutu pour vous parce que on n'a rien, personne n'a rien, n'a pas de solution pour vous. C'est foutu pour vous tout simplement parce que vous en êtes convaincu. Donc, quel que soit ce qu'on vous donne, vous n'allez pas l'exploiter, vous n'allez rien en faire, ou vous allez réfuter la véracité de ce qu'on vous donne, ou vous allez réfuter la, comment dire, les transformations qu'on va vous proposer. Donc, en fait, quand vous êtes dans une démarche de changer, de transformer une situation, posez-vous déjà la question, attends, mais dans quel paradigme je suis? D'accord? En fait, quel que soit ce que vous traversez, aussi inconfortable que cela puisse être émotionnellement, mais bien sûr qu'on a l'impression d'être coincé dedans, mais parce qu'on se dit, mais je ne pourrai jamais sortir de là. Ce n'est pas que vous êtes coincé dans la situation, vous êtes coincé dans votre émotionnel. C'est différent. Ça veut dire que vous avez un état émotionnel qui est tellement intense, profond, qui dure dans le temps, que vous avez l'impression que vous n'allez pas sortir de cet état émotionnel. Mais ça n'a rien à voir avec la situation. D'accord? Donc, c'est important déjà de dissocier cette information-là. Mais quand on est dans un moment où, c'est vraiment difficile, mais c'est normal de dire, mais je ne crois pas que je vais y arriver en fait. C'est OK de pouvoir se dire ça. Mais dès lors que vous contactez justement la raison pour laquelle vous allez entamer une thérapie ou vous allez vous allez trouver quelqu'un pour vous accompagner, à quoi ça sert de faire cette démarche si vous êtes quand même accroché au fait qu'il n'y a pas de solution pour vous? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Ça sert à rien en fait. Il vaut mieux que vous preniez votre argent, vous partez en vacances. C'est encore mieux. Mais si vous êtes dans cette démarche de dire « oui, je veux quelqu'un pour m'accompagner », c'est important que vous vous extirpez de cette croyance forte qu'il n'y a pas de solution. C'est important d'être cohérent avec votre démarche et de se dire « je fais cette démarche parce qu'au fond de moi, je sais qu'il y a des solutions pour me sortir de là ». Il est très clair que vous avez besoin de changer
votre façon votre positionnement, mais aussi la manière dont vous voyez les choses. Ce qui veut dire que quand on est mal, par exemple, quand on est coincé dans une situation, ça peut être votre situation passée, comme j'ai dit, ou une situation de séparation qui est là, une situation qui ne vous convient pas. Comme j'ai dit, vous pouvez être coincé dans cet espace émotionnel, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes coincé dans la situation. Ok, vous avez la possibilité de dire « je ne sais pas comment faire », d'accord ? Dans ce cas-là, vous sollicitez un thérapeute, un coach, parce que c'est son rôle de vous montrer le chemin, hein, de vous offrir les processus pour sortir de là et de vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez justement sortir de là où vous êtes pour vous amener à une autre destination, celle que vous désirez. Donc ça, c'est la mission vraiment du thérapeute et du coach. Donc en fait, le comment faire, ce n'est pas de votre responsabilité. Donc sentez-vous soulagé de dire ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment y parvenir que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution pour vous. C'est encore autre chose. Vous avez le droit de dire je ne sais pas comment faire parce que chacun son expertise, bien sûr. Et l'expertise d'un thérapeute et d'un coach, c'est justement d'aller valider avec vous quels sont vos blocages, de libérer vos blocages et de vous amener, vous permettre justement, vous ouvrir les outils pour vous permettre d'accéder, de sortir de là où vous êtes et d'accéder à ce que vous voulez. C'est son expertise, donc vous avez le droit de ne pas savoir comment faire. Donc, ça vous amène tout simplement à vous dire que, effectivement, si vous êtes dans un paradigme de « je n'ai pas de solution, c'est foutu pour moi », un, dissociez-vous de « ok, je suis coincée dans mon émotionnel », ça ne veut pas dire que je suis coincée dans la situation. Donc il suffit déjà de libérer l'émotionnel pour pouvoir avoir la perceptivité de comment vous pouvez changer la situation. Si vous ne savez pas comment faire, ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment faire qu'il n'y a pas de solution pour vous. Non, vous allez solliciter quelqu'un, vous allez payer quelqu'un pour son expertise, pour qu'elle fasse son job de vous y accompagner, d'accord ? Et puis, il y a aussi une troisième chose qui est importante, c'est que vous-même, vous prenez la responsabilité à un moment donné de dire « Non, en fait, si je fais cette démarche de m'en sortir, c'est qu'il y a des solutions. Et je suis prête à adopter les solutions qu'on va me proposer, de faire les exercices, les processus qu'on va me proposer pour pouvoir y parvenir. Mais ça va vous demander déjà de sortir, de décrocher. De ce paradigme et de cette pensée forte qu'il n'y a pas de solution pour moi. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que vous avez des résultats, quel que soit l'accompagnement dans lequel vous allez être, en fait. Pour qu'il y ait une vraie transformation, ça vous demande déjà de sortir de ce paradigme de « c'est foutu pour moi, il n'y a pas de solution et personne ne peut m'aider ». Parce que c'est complètement faux. D'accord ? Pour aller encore un petit peu plus loin dans cette réflexion, dans la mesure, pourquoi est-ce qu'il y a des solutions, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations que vous traversez, il y a toujours des solutions, bien sûr, parce que tout est une question de perceptivité. Quelle que soit la situation que vous vivez, la question est à partir de quel angle de vue j'aborde la situation. Ça, c'est déjà une chose. Et selon la manière dont vous allez aborder l'angle de vue, vous n'allez pas vivre la situation de la même façon. Ça, c'est une chose. Mais quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, même si c'est émotionnellement difficile, il y a des solutions. Pourquoi ? Parce qu'à l'étage vraiment de l'âme, à l'étage au-dessus, bien sûr, vous êtes créateur suprême de votre réalité. Ce qui veut dire que la réalité que vous viviez là, qui ne vous correspond pas, est déjà la résultante de la totalité de votre équation vibratoire, de votre propre création. Ce qui veut dire que si vous avez réussi sans avoir conscience à créer des situations qui ne vous conviennent pas, en toute conscience, en étant accompagné ou de manière autonome, vous avez la possibilité en toute conscience de créer des événements heureux, des événements qui vous correspondent davantage. Ce qui veut dire que quel que soit ce qui vous traverse, ce que vous vivez dans la vie, rien ne vous échappe, rien n'arrive au hasard. Tout est toujours relié à votre propre vibration intérieure. Donc si à un moment donné vous vivez une situation qui ne vous convient pas, c'est juste relié à une programmation inconsciente, certes, mais à une programmation
à une programmation qui est à l'intérieur de vous. C'est relié à une programmation tragique. Donc vous changez votre programmation, vous changez votre réalité de vie. En cela, on peut considérer que les solutions sont toujours là. Il y a toujours un moyen de vivre les choses autrement, mais il y a toujours un moyen de transformer, de créer des événements différents qui nous font du bien. Donc, quel que soit ce que vous traversez, rien n'est figé, rien n'est une fatalité. Vous avez le pouvoir en vous de transformer ces situations véritablement. Alors oui, ça nécessite d'avoir de la clarté, de se dire, oui, mais comment on fait pour changer notre programmation dans notre inconscient et la programmation de notre vibration intérieure. Bon, ben, c'est comme ça. On contacte un thérapeute, un coach qui est spécialisé. Par exemple, moi, je suis spécialisée dans justement la transformation de votre vibration intérieure pour que vous puissiez vivre une réalité extérieure. Voilà. Mais bien sûr, cette transformation est une transformation qui va être active. Ce n'est pas juste des prises de conscience. Ça va vous demander de changer de façon de voir les choses, ça va vous demander aussi de changer d'attitude et de version de vous-même pour vous offrir une autre réalité de vie. Mais tout est infiniment possible, les solutions sont là, bien sûr. Donc, prenez conscience du paradigme que vous cultivez et dans lequel vous évoluez. Voilà. J'espère que cette capsule Process Déclic vous a apporté des éléments. En tout cas, ça permet de naître l'espoir que tout est infiniment possible. J'en serais vraiment ravie. Si ça vous permet de prendre conscience que vous êtes dans ce paradigme, excusez-moi, de merde, de tout est foutu pour moi, alors il est temps de prendre conscience et de changer les choses. Si vous souhaitez être accompagné, justement, pour savoir comment faire pour vous extirper de la situation dans laquelle vous êtes, je serais ravie de vous accompagner et déjà de vous entendre à travers une séance diagnostique. Donc, n'hésitez pas à me contacter et prendre votre rendez-vous. Voilà, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.